justifier son retard, arrête de faire la princesse. Pire show de toute ma vie, le mec se pointe avec 45 minutes de retard, en plus c'était nul. Pire concert du festival, c'est scandaleux, le mec est tête d'affiche et j'ai jamais vu autant de personnes se barrer pendant un concert. Waouh. Alors pour l'instant, le DJ ne s'est pas exprimé, mais les festivaliers ont l'impression d'avoir été victimes d'un véritable guet-apens. On s'inquiète pas pour David Guetta, tout va bien pour lui, il a plein de pognon. Ouais, c'est vrai. Ah, moi par contre, j'ai une remarque à faire. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Ah, bah je trouve que depuis qu'il a cette nouvelle coupe de cheveux, il est plus comme avant. Ah bon, tu trouves? Moi je le préférais, il était plus son style DJ quand il avait les cheveux longs. Vas-y, sois méchant quand même, Sylvain. Non, je serais pas méchant, mais c'est-à-dire que moi je le préférais vraiment avant et je pense qu'il faut qu'il laisse repousser ses cheveux parce que c'est aussi son visuel qui fait qu'on le connaît bien. Il a les cheveux courts, je crois qu'avec une moustache ou je sais pas quoi. Et ben non, non. Et ben ouais. Mais moi je trouve que non. Son style, c'est vraiment les cheveux longs à la DJ. En plus, quand il a pas de moustache et tout, il est super canon. Donc je pense qu'il faut qu'il retrouve ce look là. Ah mon dieu, recevoir des conseils de look de Sylvain. Il a un look pas possible. Ah oui, c'est très très grave. Relooking extrême par Sylvain. Bon, alors, vous parlez d'actualité, ça c'est important les amis, parce qu'il se passe plein de choses dans ce monde fou, notamment une série qui va revenir. Je vais vous parler d'une série que vous connaissez très très bien, j'en suis sûr, qui a bercé votre enfance. Et après, Sylvain, tu nous parleras de série. Oh, oui. Écoutez ce générique, ça va vous dire quelque chose les chéris, j'en suis sûr et certain. Le premier qui trouve... Alors Une nounou d'enfer. Eh bien, ça va revenir. Hein. C'est Fran Descher. Je sais pas si vous vous rappelez. Fran Descher, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec François Hollande. Elle a pris une photo avec lui. C'est vrai. Ouais. Hein, je crois que c'était même à l'Élysée. Eh bien, Fran Descher, elle a dit qu'elle allait revenir. Hein. Elle est en train de voir avec Marc Jacob, hein, son ex-mari et co-créateur. Ils en parlent. Ils vont certainement faire un très gros projet et qui devrait être très excitant pour les fans. C'est elle, hein, qui a dit ça. Donc, à mon avis, il va se passer quelque chose et ça devrait être en gros une nounou d'enfer 2. Alors, peut-être une nouvelle saison, je sais pas, une saison inédite. En tout cas, moi j'adore. Ouais, ça m'a rappelé mon enfance. Tu regardais quoi, toi, comme série, Gwendal? Fou, qu'est-ce que je regardais? Il y a bien un truc que t'as aimé quand t'étais petit. Ouais, ouais, tu sais, la famille de Black avec le tout petit, là, comment ça s'appelait? Famille formidable. Non. Arnaud et Willy. Ah oui, ça fait partie des grosses séries. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Adelaide? Il est voix off, hein, très fort en voix off. Faut que tu t'y mettes aussi, puisque ça, tout ce que tu fais fonctionne. Fais des voix off. Alors, mon petit Sylvain. Oh là là, bah moi je vais vous en citer des super séries qui ont marqué votre enfance. On pense forcément à la super voiture Kit de la grosse série K2000, bien sûr, qui a elle commencé en 1986 sur la France. C'était 90 épisodes quand même, de 45 minutes. Et bien sûr, le rôle principal était incarné par le super beau David Hasselhoff, qui jouait le rôle de Michael Knight et qui du coup a fait un gros carton. Faut savoir que la série a été rediffusée après dans les années 2000. Oui. Il y a des petits problèmes avec l'anglais, c'est pas ça. Ouais. L'anglais, le travail, la radio, c'est un tout. Hein. Et quand il écrit son t-shirt, il dit j'ai un t-shirt de Superman. Superman. Et on a aussi Supercopter aussi, qui a débuté un an avant, en 1985, avec le célèbre Hawk et son super hélicoptère qui faisait faire plein de trucs. On pense bien sûr aussi à l'année 1974, où débutait L'Homme qui valait 3 milliards, avec Lee Majors dans le rôle de Steve Austin. Alors, on se rappelle de L'Homme qui valait 3 milliards, il pouvait voir très loin, il avait les deux jambes et le bras bio-ionique. Il y a eu ensuite la version féminine avec Super Jimmy, qui elle, avec les deux bras bio-ioniques, les deux jambes bio-ioniques, le bras bio-ionique, mais elle ne voyait pas loin, mais elle entendait très loin. Donc c'est absolument génial. Bien sûr, on peut aussi citer Drôle de Dame, hein, Drôle de Dame avec les trois magnifiques agents de Charlie. Alors là, c'est sorti en 1976. Ça a été adapté après au cinéma sous le nom de Charlie Angels dans les années 90. On pense aussi à Starsky Hutch avec la super bagnole rouge. Donc pareil, grosse série qui a cartonné. On pense au Dr House aussi dans les années 2000, parce que n'oublions pas que Jordan est né en 89. Donc sa génération, lui, c'est plutôt la génération Dr House. Charmed, bien sûr, qui a cartonné. Undo Stress, on pense aussi à ça. Oui. Et puis on peut citer quelques dessins animés. Il est plus fort en espagnol, t'as vu? Il est plus fort en espagnol, t'as vu? Undo Stress. On peut bien sûr penser à des séries des dessins animés aussi, comme Goldorak, Albator, Candy, évidemment, Dragon Ball Z avec Son Goku. Tu avais reçu Brigitte Cordier, qui était la voix de Son
Son Goku, la voix française. Si dit, ouais, ouais, là, Brigitte Lecordier, qui était la voix de Son Goku. Et bien sûr, on pense à la méga, méga, méga série là, qui explose tout et qu'on voit toujours en télé, la célèbre famille Ingalls avec la petite maison dans la prairie qui, elle, ne se démode pas et qu'on voit régulièrement réapparaître sur les chaînes télé encore aujourd'hui en 2018. Merci, mon petit Sylvain. Peut-être que tu pourrais reprendre ta respiration et éviter de hurler dans les voitures. Je suis désolé, hein, si vous êtes en train de faire une course dans un taxi. Ça pique les oreilles. Hein. Ça fait mal. Hein. Mais dites-vous, nous, on a tout. On a l'image, l'odeur. On a tout en 3D. Hein, c'est de la putain de 4DX et je peux vous dire que les mecs n'ont pas envie de payer pour voir ça. On t'embrasse, Silver. Merci. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien. Qui est-ce qui est fort en coup de sort, qui s'énerve tout le temps depuis sur, notamment qu'il est parti un peu s'installer en Russie. Ça vous dit quelque chose? Hein, Gérard Depardieu. Oui. Eh bien, il avait fait encore un coup de sang, c'était cet après-midi, me semble-t-il, oui, hier soir. Les infos, je ne sais plus exactement quelle était la date. Et alors, il a été une soirée, c'était en Belgique, et une dame est venue l'interviewer alors qu'il était en train de déguster du vin. Et ah, alors, attention. Il y a des choses qui se font pas. Ah, Gérard Depardieu, il n'aime pas trop qu'on l'emmerde quand il boit son rouge. Hein. Écoutez, ça a été très rapidement. Au début, il a été gentil, puis après, pff, il l'a envoyé chier tout simplement. Écoutez. Ah, vous allez me foutre la paix quand même, ok? Même si vous êtes joli. C'est pas le même. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me sonne bon, ok? Merci. Il y a moyen de retirer les micros de 10 secondes, qu'on ait une image. Et quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas sur le bordel. S'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette maladie? Voilà, merci beaucoup. Merci si vous pouvez tous sortir. Cette maladie s'appelle le journalisme. Ouais, les amis. Et tout va bien, hein. Mais en même temps, c'est un peu bizarre parce que forcément, quand tu vas à une conférence comme ça, bon, bah, tu bois un peu de vin rouge. Forcément, il y a des journalistes. Tu vas être sollicité. C'est pas sympa de les envoyer chier comme ça, les mecs. Bon, après, ils tentent. Mais bon, c'est en tentant qu'on arrive aussi à avoir des fois des exclus, des choses intéressantes. Bon, bah, en tout cas, on l'a encore fait parler de lui. Ce Gérard Depardieu, qui est vraiment à lui un bon vent. D'ailleurs, je vous recommande cette série, hein, qui passe, je crois que c'est sur Netflix, il me semble. Ou alors on le voit aller dans des manger à droite à gauche dans plein de d'endroits de la France. C'est Capitaine Marlowe, c'est ça, non? C'est quoi? Non, c'est pas ça. Je crois que c'est pas ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment super sympa. Moi, je l'ai regardé, j'ai adoré. Voilà, pour ce qui est de l'actualité. On va se retrouver dans un instant sur Voltage pour parler avec Gwendal de plein de choses, notamment de la série. C'est pas encore fait, mais voilà, je suis dans une série, sachez-le. De l'album. Qu'on trouve le titre. Tu nous expliqueras ce. D'ailleurs, tu peux nous dire déjà, c'est toi qui as tout fait. C'est moi qui ai tout fait, ouais. C'est assez hallucinant. Il est très très beau, c'est assez rare. Parce que c'est vrai que c'est un peu délaissé maintenant. Le visuel est magnifique. On voit que les visuels en général, c'est vrai qu'ils ne sont pas chier. Et c'est bon, tout est en maths. Il y a un joli CD à l'intérieur et un très très beau livre avec plein de photos à l'intérieur. Et les paroles des chansons. Donc je suis auteur, compositeur, interprète, éditeur, producteur, diffuseur. Félicitations. Et d'ailleurs, la diffusion pour ce collector que vous avez dans les mains, c'est uniquement pour l'instant sur mon site internet. Ah, d'accord, gwendalpezra.com. Ok, et Spotify, Deezer? Spotify, Deezer, iTunes, Apple Store. Ah, oui, mais pour le collector, c'est moi personnellement qui vous l'envoie pour l'instant. Après, on va travailler avec les Cultura. Mais pour l'instant, c'est moi. Et du coup, tu les dédicaces à chaque fois? Et je les dédicace pour les 100 premiers. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, je suis dans les 100 premiers. Oh, génial. Allez, on se retrouve dans un instant sur Voltage avec mon petit Sylvain Trinard et Gwendal Pezera. On parlera de plein de choses, on va parler de tout dans un instant. A tout de suite, juste après avoir écouté eh bien, ton titre, Gwendal. Ah, bah oui, on en fait un. Ah, hein. Super. C'est une surprise, je vous dis pas lequel c'est. Voilà, comme vous le saurez juste après, écoutez-le bien. Et puis, on vous dit tout sur cet album. A tout de suite sur Voltage. Tout peut arriver du dimanche au jeudi.
Et mon cul, c'est du poisson, non, aussi. Préparez-vous à tout entendre. Tu veux pas mon gros gourdin dans ton cul? Heureusement que c'était un canular pour la radio. Tout peut arriver. C'est pas vrai. Si. Oh, avec Jordan Deluxe. Enfoiré. Enfoiré. Et vous. Au téléphone. À la radio, on se redit bonsoir. On va vous passer le titre dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on parle de plusieurs petits blocs. Alors c'est important parce que c'est toute ta vie, hein. Alors ça a commencé avec le patinage. Oui, très tôt, hein, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé le patinage et la compétition à l'âge de 8 ans, déjà en couple, puisque la danse sur glace que je pratique se fait en couple. Oui. Et donc j'étais avec Marina Morel, ma première partenaire, pendant 12 ans, de l'âge de 8 ans jusqu'à 20 ans. Alors, il est arrivé plein de choses. Il n'y a pas eu un moment où tu en as eu marre? Du patinage? Ouais. Ah bah très régulièrement, à peu près tous les jours. Non, c'est vrai. Non, mais c'est énorme le travail qu'il faut fournir pour ça. Hein. On se lève à 4h30 du mat, on est à 6h sur la glace et c'est beaucoup beaucoup d'efforts, c'est très intense et on a dans les saisons les plus importantes, on n'a que 15 jours de vacances dans l'année, donc c'est oui. Quand on a été 6 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde, à un moment, limite on a tout fait quoi, tu veux dire, t'as été au maximum. Et t'as oublié les 2 médailles olympiques, ah oui. Et c'est pour ça qu'on a continué. Génial. Médaille de bronze olympique à Nagano en 98 et médaille d'or olympique en 2002. On est les seuls champions olympiques, tous sports de glace confondus, depuis la création de la Fédération française des sports de glace en 1942. Tous sports de glace confondus, donc c'est le bobsleigh, le luge. Le curling et toutes les disciplines du patinage, on est les seuls. Il t'est arrivé des fois des gamelles où tu t'es dit je vais jamais me relever, je vais pas pouvoir continuer? Non. Non, jamais. Non, on est tombé souvent, mais je me pose même pas la question. Et puis d'ailleurs, c'est the show must go on, hein. Quand on tombe en patinage, on est debout dans la seconde qui suit, même si il nous manque une partie, qu'on s'est coupé un doigt. Ça arrive, vraiment, il y en a qui se coupent des doigts? Alors, c'est très rare, mais il y a toutes sortes d'accidents un peu bizarres. Une fois, j'ai reçu les ongles assez pointus de ma partenaire, j'ai reçu ça dans l'œil. Ouais. Et bon, c'était une exhibition, c'était pas en compétition, mais j'ai vu Marina commencer à pleurer en me regardant, elle me dit « Mais tu saignes !» Et en fait, on était en train de danser « Danse mon Esmeralda » de Notre-Dame de Paris. Et donc moi j'étais là en quasimono en train de pleurer danse mon Esmeralda et j'avais une larme de sang qui coulait comme ça. Et Marina qui pleurait parce qu'elle avait peur pour moi. C'est terrible. Bon, c'est des trucs, il se passe plein de choses hein, dans le spectacle. C'est quoi la plus belle chose qu'on t'ait dit quand on te reconnaît dans la rue, au niveau du patinage? Ce qu'on entend le plus souvent et que je trouve très beau, j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est vous nous avez fait tellement rêver, merci. Ouais. Et ou alors qu'est-ce que j'ai pu pleurer en vous regardant? Ouais, mais ça c'est un des seuls sports où franchement je prends plaisir à regarder parce que c'est vraiment comme ma mère. Très bel exercice. Ouais. Oui, comme ça. Elle adore le patinage artistique. Je suis ravi d'être comparé à madame Silver. Vous savez comment j'étais content. Bah, pour une fois c'est pas la tortuguette. Hein. Ouais, la tortuguette pour une fois elle est pas là. Alors ce qui est assez intéressant avec ce métier c'est que on prend sa retraite très très vite. Bah, pas si vite que ça, hein. On a fait notre dernière compétition, donc c'était les Jeux Olympiques à Salt Lake City en 2002, j'avais 30 ans, et on a continué à faire des galas et des spectacles, c'est la chance de notre sport. Et aujourd'hui encore, on continue à faire des spectacles. On revient de Nagano, on est allé fêter les 20 ans des Jeux Olympiques de Nagano et c'était encore du délire. Quoi, normalement, une retraite, quand même, c'est 60 ans. Eh ben, pas tout de suite alors. Pas tout de suite. Alors, parle-nous de ces métiers. Oh là là, oui. Qui sont très intéressants. Les métiers où on peut partir très tôt à la retraite. Eh bien, je vous citerai en premier les métiers de la police. Et oui, quand vous êtes policier, il y a l'armée, bien sûr. Alors, la police, vous pouvez partir à 52 ans au minimum. Ah, faut le savoir, ouais, donc c'est quand même pas mal. Parce que c'est vrai que très souvent, y a des policiers qui arrivent à un âge où ils ont envie de voir autre chose. Et puis du coup, alors moi je sais que je m'étais renseigné là-dessus. Je sais qu'il y a des policiers qui partent à 52 ans et après, ils ouvrent généralement des boîtes de sécurité. Ils font beaucoup de VIP, beaucoup de célébrités. Vraiment, c'est des boîtes, des entreprises très importantes. Donc du coup, voilà, il y a aussi les personnes qui travaillent dans les prisons. Ouais, dans le milieu pénitentiaire, où là, ils peuvent aussi partir à 52 ans. Les contrôleurs aériens. Eh ben oui, 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 ceux qui regardent les avions, ceux qui surveillent la sécurité des avions, eh bien pareil, ils peuvent aussi partir à 52 ans. Alors, on a ceux qui travaillent sous terre, comme les agents des égouts. Les tunneliers aussi. Eh bien oui, tout à fait, exactement. Eh bien, eux peuvent aussi partir à 52 ans. Et bien sûr, on citera la SNCF aussi, hein, qui, voilà, donc les conducteurs de train.
qui eux peuvent partir à 52 ans, je vous dirai pourquoi après. Et évidemment, je ne puis y échapper. C'est la pré-grève en fait. Non. Et bien sûr, je ne puis y échapper puisque je travaille moi-même dans cette belle entreprise, bien sûr. La RATP. Qui est la RATP, où effectivement, les personnes qui travaillent ce qu'on appelle à l'exploitation, donc les conducteurs de métro, les personnes de station, etc., peuvent aussi partir à 52 ans. Alors, faut savoir qu'il y a une modernisation aussi hein, de la réorganisation des départs en retraite qui est en train de se faire avec le gouvernement Macron et qui a commencé à se faire quand même avec le gouvernement Hollande. Il faut savoir qu'il y a certaines entreprises ou certains services publics où cet avantage, si je puis dire, hein, puisque c'en est quand même un, on va pas se mentir, parce que c'est quand même bien de partir jeune à la retraite, ont été abolis, hein, faut le savoir. Alors maintenant, les gens peuvent aussi partir à 52 ans parce que la loi du travail a estimé que ces métiers-là étaient des métiers à pénibilité, comme la police, donc la RATP, la SNCF, les agents des égouts, où les personnes subissaient, si je puis dire, une pénibilité au travail. Et du coup, c'est aussi une manière de reconnaître leur travail en les faisant partir plus tôt à la retraite. Sylvain, entre nous, est-ce que ton travail est pénible? Dis-nous, Sylvain, est-ce que ton travail est pénible? Alors, attends, tu sais pourquoi il va être pénible? Je t'explique pas. Le mec, il dort pas depuis 3 jours parce qu'ils vont refaire l'ascenseur de la RATP. Il va devoir faire 4 marches tous les jours. Non mais j'hallucine. Non mais c'est vrai. Oui. L'ascenseur de mon immeuble, parce que moi je suis au 5e étage, va être refait à neuf. Ils vont nous refaire un bel ascenseur. Et pendant 2 mois, je vais monter les marches jusqu'au 5e étage. Mais bon, je suis pas mieux content. Ah bah je vais écrire. Donc c'est pas plus mal non plus. Oui. Pouvoir le mettre sur la glace. Ça fait du bien. D'ailleurs, on conseille aux gens de monter les escaliers. Il y a beaucoup de pubs pour ça. Voilà. N'importe quoi, d'où la pub. Ça c'est fait. La pub pour monter les escaliers. Oui, j'avais vu ça dans le métro, notamment dans le métro, où justement on invitait les gens à monter les marches, à faire de la marche à pied, sûr, etc. Et que c'était très bon pour la santé. Hein. Oui, et les régimes aussi, c'est vraiment bon pour la santé. C'est vrai, hein. Les tartes normandes à 40 000 calories à 22h, c'est pas très bon, hein, même si tu marches le soir. Bon, on va se faire un titre de Gwendal Pezera. Je crois peut-être on est bien les premiers à le passer, tiens, sur Voltage. Je sais pas si les premiers en Ile-de-France. Oui. Est-ce que c'est sûr? Je crois, oui. Peut-être. Premier en Ile-de-France. C'est déjà passé sur une radio à Lyon. D'accord. Bon, c'est une petite exclusivité ce soir sur Voltage. Alors, c'est parti. On écoute le Calso Island. The Island, exactement. The Island. Alors, je dis The Island. Créé sur, pendant pendant l'émission, en fait, quand j'étais sur l'île, alors j'avais rien pour l'écrire, donc je l'ai faite dans ma tête. Ah, c'est vrai? Oui, c'est oui. Énorme, mais les nuits étaient longues. Hein. Les nuits sont longues parce que quand on n'a pas le feu, on est obligé d'aller se mettre au lit puisqu'on est dans le noir assez tôt. Enfin, au lit. Par terre. Par terre. Et donc, ça fait du 18h, 6h du matin, quoi. Donc, on a le temps de cogiter quand on n'arrive pas à dormir. Et on fait des chansons. Et voilà, j'ai fait cette chanson pour sourire un peu et puis prendre ça avec un peu de légèreté. Allez, voici un petit peu de bonheur. On vous l'envoie maintenant en direction de vos oreilles sur Voltage. On écoute The Island. C'est maintenant sur Voltage. Gwendal. Yeah.
préparez-vous à tout entendre. Réponds, espèce de porc. Bon, alors vous me cassez les couilles maintenant aussi. Mais soyez poli. Hein. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe. Et tu t'appelles pas en secret si t'as des couilles. Et vous. Mais ta soeur, elle a des couilles au cul, connard. Oh, 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 là, 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 mais pourquoi tant de haine? Donnez un peu d'amour. Oui, c'est vrai. Un petit peu d'amour, les amis. Ça fait du bien. Oui, mais tant de haine parce que c'est ce qui passe le soir sur Voltage. Ah, des canulars, mon Dieu. On a piégé tout le monde. Bon, Gwenda qui est partie sur la guitare là. Il est à je continue. Hein. Oui, bah oui, il va nous la faire toute la soirée, la chanson. Alors, tu nous en feras une tout à l'heure. On fera quoi en titre après en live? On fera Un monde sans homme. Un monde sans homme. Oh, bah, mais c'est quoi ce monde-là? T'en as des idées étonnantes. Ouais. Bon, alors, on va parler d'une émission que tu as faite et qui s'appelle. Eh bien, vous connaissez Koh-Lanta? Il y a un moment terrible dans Koh-Lanta, c'est le moment. Il y a des moments où il y a des gens qui se font virer ou machin et tout. Et toi, c'est vrai que tu as parlé d'une trahison, c'est bien ça. Alors, on va se mettre dans l'ambiance de Koh-Lanta. Ah, Gwenda. Là. J'adore ce moment, j'adore cette musique. Où je regarde juste pour les gens qui pleurent, quand ils se trahissent. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors en fait, j'ai pas pleuré moi, parce que justement, je suis sorti au moment où tous les jeux de stratégie et tout ça pour s'éliminer les uns les autres allaient commencer. C'était la réunification. Donc moi, j'étais bien content de partir à ce moment-là. Donc j'en ai pas pleuré. Par contre, j'ai été surpris de la façon dont ça s'était fait, parce que c'était Ty Chris qui était parti sur une partie du jeu où il est en ambassadeur. Il va faire une épreuve contre un autre ambassadeur de l'équipe d'en face. S'il perd l'épreuve, alors il doit essayer de négocier pour faire partir quelqu'un de l'autre équipe, ou alors choisir quelqu'un de son équipe, ou s'il est très noble d'esprit, se choisir soi-même et dire « j'ai perdu l'épreuve, je pars ». Et Ty, qui est un copain, qui est arrivé au milieu de l'aventure, a perdu en 10 minutes une épreuve contre une fille qui voulait partir, elle en plus. Ah merde. Et il m'a choisi, voilà. Et quand il est arrivé pour me le dire, il a dit oh, « mais non, ça a été décidé par tout le monde ». Et donc, c'était assez surprenant. T'avais envie de rester? Alors, j'avais justement pas envie de rester pour toute cette partie négociation là, toutes les magouilles pour faire sortir les uns les autres, ça j'aimais pas. Mais par contre, pour l'aventure, moi j'étais dans mon élément vraiment. On t'a posé 50 000 fois la question, mais entre The Island et Alors non, on m'a pas posé encore la question. Ah d'accord, ok. Alors la différence entre The Island, fondamentale entre The Island et Koh-Lanta, c'est que The Island, on est complètement libre. Il y a personne avec nous sur libre et on a aucun timing. Faut rappeler que vous filmez vous-même. Hein. On se filme nous-mêmes, donc il n'y a personne de la prod. Alors que Koh-Lanta, on vient, on reçoit la fameuse bouteille. Et là, alors qu'on disait, bah, c'est le moment pour aller pêcher ou aller trouver quelque chose à bouffer, et ben on dit, bah non, là tu parles et tu vas faire le jeu. Et le jeu, ça peut durer des heures. Et quand tu reviens du jeu que tu as perdu, bah, après tu pars au conseil. Et à la télé, on voit le conseil, ça dure 10 minutes. Ouais. On y reste 2 heures au conseil. D'accord, ok. Et quand tu rentres et tu croises les doigts pour que le feu il soit encore là. Et... Donc il y a plein de choses qui sont différentes. C'est beaucoup plus vrai, je dirais, dans la survie d'The Island. Mais ça ne veut pas dire que Koh-Lanta est plus facile, parce qu'ils nous font faire des épreuves qui sont vraiment très dures physiquement, alors qu'on est on n'a pas d'énergie, quoi. Quelle relation vous avez avec Denis Brognard? Très bonne, c'est un super mec. Denis, si tu m'entends, félicitations encore. Et je veux aussi féliciter les deux prods, que ce soit Adventure Line Production ou Endemol Shine, pour les deux émissions, parce qu'ils font tous un boulot hallucinant. Et écoutez-moi, auditeurs de Voltage, tout est vrai. Il n'y a pas de triche dans ces émissions. Il y a pas de, on ne nous donne pas de bouffe, on ne nous fait pas dormir à l'hôtel. Tout c'est vrai, et c'est de la vraie survie, surtout The Island où on est complètement libre en plus. On parle de ton album et de The Island, évidemment, dans un instant sur Voltage, juste avant il y a ça. A tout de suite sur Voltage. Tout peut arriver du dimanche au jeudi, 21h-23h sur
Préparez-vous à tout entendre. Ils vont m'enfermer après, c'est pas possible. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe. Vous avez rien à faire, nom de Dieu de bon Dieu de merde. Et vous. Oui. Ah, ça envoie du lourd hein, quand même. Ah, oui, ça envoie du lourd. C'est toi qui les énerve comme ça. Ce sont des vrais gens, oui, ce sont des vrais gens qui sont avec nous comme ça. Et oui, je les énerve, c'est vrai, j'aime bien les énerver. Ça me détend, moi. Énerver les gens. Mais après, ça fait toujours du bien. Oh, ça les détend. C'est des gens d'ailleurs que j'ai piégés comme ça qui m'ont dit à la fin, ça m'a fait du bien de me lâcher un peu. De me lâcher, de vous insulter de tous les noms. Bah, des fois, ça fait du bien, ça. Ouais, exactement. Sylvain va parler. Oui, Sylvain. Non, mais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai poussé un petit bruit par rapport à ton micro. C'est parce que j'ai vu une photo de Gwendal et tu ressembles comme deux. C'était vraiment très intéressant. C'était inintéressant, c'est pas ce qu'il voulait dire. Bon, il ressemblait à qui? Je ressemblais à qui? Il ressemblait à Jean Sarkozy tout craché. Ah non! Ah bah j'adore ce garçon. Oh, là, là, là. J'adore ce garçon, je l'ai rencontré. Ah, non. Gentil comme tout. Allez, tu sors. tu lui aurais dit qu'il ressemblait à Candeloro, ça lui aurait fait autant de. Je crois. Ça fait souvent ça, je pense aussi. Celle-ci. Non. On t'a pas trop fait? Non. Il y a la même longueur de cheveux, quoi, mais bon, c'est pas la même couleur. Ouais, plus maintenant. Bon, allez, on est ensemble et on parle de plein de choses. Mais alors, on va parler évidemment de The Island. Il y a eu plein de choses. Ah oui, cette histoire aussi d'alligator, t'es revenu là-dessus. De caïman, l'alligator, c'est beaucoup plus gros. Ah, que d'accord. Ça. C'est vrai que vous avez vu cette séquence, vous, parce que moi, ça m'a pas choqué. Mais bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as été chercher un caïman et tu l'as mis, tu l'as entouré la gueule. Je l'ai mis à la broche et tout. Non, vous l'avez pas bouffé. Non, on avait décidé, on était. Sur la fin de l'aventure, l'île était suffisamment généreuse. On avait des cocos, on avait des arapettes, des bigorneaux, des moules, bon, et des huîtres surtout. On avait beaucoup. Et donc le caïman, il y en avait plusieurs qui étaient partis en expé pour essayer de trouver un caïman qu'ils n'avaient pas trouvé. Et moi, c'est en allant relever mes pièges à crevettes que je suis tombé sur année à année avec ce caïman. Et donc je me suis dit, c'est dommage, ils voulaient tous le Mais voir. Comment t'as réussi à le choper? Eh ben, avec mes mains. Ouais, mais parce que ça n'a pas du tout été monté, ce qu'on a vu. Non, je te le dis, non, je le répète, rien n'est monté. Mais t'as pas peur, monté. Enfin, je sais pas, ça a bouffé un mec, un truc pareil. Je t'avoue que, alors là, ça a été coupé par contre au montage, je suis resté longtemps derrière le caïman à hésiter. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et puis finalement, ben, je me suis lancé et c'était une montée d'adrénaline. Comme tu disais tout à l'heure, ces gens qui, ça leur fait du bien de se lâcher et d'être insulté. Moi là, ça m'a fait monter une adrénaline super forte. D'ailleurs, on le voit dans les images après, je suis estatique. Ouais. Alors, tu l'as mis au camp, et alors là, ça fait pas l'unanimité. Mais par contre, on ne lui a pas fait de mal, il n'a pas été blessé. Alors, il y a il y a la fondation Brigitte Bardot qui a fait des remarques comme quoi on zigouillait tout ce qu'il y avait sur l'île. On n'y a pas touché. Et comme je disais, souvent, les animaux qu'on veut étudier, c'est des animaux qu'on va prélever dans leur milieu, on va les étudier sans leur faire de mal, et ouais. On les remet dans leur milieu. Et ben c'était un petit peu ça, on avait envie de le voir, et à part le fait de lui mettre des liens autour de la gueule pour pas qu'il m'arrache une main, parce que la fondation a pas dit ça, hein, c'est que moi j'avais juste mes petites mains, lui il avait voilà, il a une gueule. Parce que je t'ai corrigé quand tu as dit alligator, certains pensent que c'était un bébé caïman, parce qu'ils imaginent qu'un caïman taille adulte, c'est comme un alligator ou un crocodile, c'est beaucoup plus petit. Celui que j'ai attrapé, c'est un caïman taille adulte, c'était pas un bébé. Il n'y a pas eu de problème avec cet animal. Non, il n'a pas été blessé. Un quart d'heure plus tard, il était dans son milieu naturel, ouais. Et on l'a revu les jours qu'on suivit. Il allait très bien. T'as vu comment dire ce qui s'est dit sur Touche pas à mon poste? Oui. D'ailleurs, j'ai été invité pour avoir un droit de réponse. Alors, justement, ce qu'il disait, c'est que ça sert à quoi de faire tout ça pour du fake? C'est de la fausse survie? Non. C'est de la vraie survie. La seule chose, c'est qu'on a une sécurité. Au cas de vrais problèmes, il y a une assurance vie, entre guillemets. Moi, j'ai fait des expés au Népal, où là, le processus vital est mis en jeu parce qu'on est en altitude et les secours mettent 5 jours pour venir. Si j'ai dit oui à The Island, c'est que je savais que voilà, j'ai des enfants aujourd'hui et on ne peut pas prendre des risques inconsidérés aujourd'hui. Hein, j'ai des responsabilités. Donc là, ce que je savais, c'est que je pouvais revivre enfin une aventure après ces années et qu'il y avait une sécurité, que la sécurité était là, pas loin. Mais les dangers, c'est les mêmes. Le caïman, il pouvait m'arracher une main. Hein. Oui, c'est sûr. Il aurait pu.
Est-ce qu'il y a eu des câlins et, sur... J'en serais pas mort, mais voilà, la safety, comme il l'appelle, la safety serait pas arrivée non plus dans les 5 minutes. Hein, il aurait fallu une demi-heure. Est-ce qu'il y a eu des câlins sur cette émission, des choses dont on... Non, il s'est rien passé sur l'île. Hein. Rien il s'est du rien tout. Passé sur l'île. Je peux vous avouer que d'ailleurs, Koh-Lanta, c'est un peu la même chose. Quand on est dans des conditions de survie comme ça, la libido, elle tombe très bas. Ah bon ? Il y a zéro ? Ah, énorme ! Ouais. Ah, Sylvain, il est grave déçu. Ouais. Non, il se passe rien. Il faire ça juste pour baiser, Sylvain. Il se passe rien. Non, non, non. Surtout, bon, sur... elle est au bout du rouleau, elle va vouloir. Non, mon Sylvain. Il y a une très grande proximité des corps, des humains et tout ça. On a besoin aussi de la chaleur humaine, mais il se passe rien. C'est effectivement. Rien du tout. Désolé hein, de tuer les fantasmes de Sylvain. mais non, c'est très fort. C'est très fort humainement ce qui se passe. Et je pense qu'on est tous liés maintenant par des liens indéfectibles. On sait ce qu'on a vécu ensemble. Et comme je disais, quand on vit quelque chose de vrai comme ça et de fort, ça crée une complicité qu'on aura pendant des années. En fait. Alors l'argent, vous le savez, ça intéresse tout le monde et on adore en parler dans cette émission. Ça a été dit, il me semble, hein, les salaires. Je ne sais pas si ça a été dit. Moi, je vais reprendre une remarque qu'a fait Amaury un jour. Il dit, de toute façon, vous savez que M6, c'est pas TF1, il paye à coup de lance-pierre, donc moi, je n'y suis pas allé pour ça. Voilà ce qu'Amaury a dit. C'est vrai, c'est vraiment mal payé. Par rapport à ce que tu avais fait, par exemple, Koh-Lanta, vous étiez payé, oui, sur Koh-Lanta. Oui, parce que c'était une spéciale avec des sportifs de haut niveau. Mais quand on est un guest anciens... comme toi, c'est des super cachets, non ? Non, c'est pas des super cachets. Tout dépend, qu'est-ce que l'on parle de super cachet. Ah bah qu'est-ce que moi je peux vous dire, ça a été 20 000 pour l'émission. Voilà, c'est pas ça, c'était pour Koh-Lanta. Pour The Island, je me rappelle. D'accord, plus. D'accord. Parce qu'en fait, c'est en fonction. TF1, ils ont plus de budget. TF1, c'est quoi ? C'est 40 000 quoi pour Koh-Lanta. C'est ça. Je pense qu'ils peuvent aller au double. Mais comment ça se passe ? Parce que ça, je pense que ça intéresse les gens. C'est des droits d'image en fait. Ils nous appellent et ils viennent chercher une image. Donc c'est pour faire de la promotion du programme qu'ils font ça. Et moi, franchement, je l'ai pas négocié du tout. Moi, je voulais y aller. Moi, je voulais y aller. Et quand il m'appelle, est-ce que je suis intéressé ? Je dis oui. Bon, ben, on vous rappelle si vous partez. Et ça, c'était très vite. C'était 3 semaines avant. Et mais les 20 000 euros, ça comprend l'assurance vie aussi ? Il n'y a pas d'assurance. On dit qu'on est conscient des risques que l'on prend et on est responsable. Parce qu'un candidat de Koh-Lanta. Oui. On ne signe pas une assurance vie en partant. Je ne sais pas combien. Ah oui, donc ça veut dire s'il y a un problème. C'est ça. Ouais, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Bon, 20 000 euros. Mais c'est pour ça. Donc il y a des risques, des vrais risques, des risques réels pour la santé. Regardez, c'est tout bête, hein, mais l'âme, elle a quand même, au niveau de la santé, elle a été amochée. Et puis, pas la seule. On garde des traces hein, de toutes ces choses qui nous arrivent. Vous êtes revus depuis ? Oui, on s'est revus. On fait des soirées ensemble. Il y avait une après-midi organisée par Amaury tout à l'heure pour le match, à laquelle j'ai pas pu assister parce que j'étais en promotion aussi. Mais oui, on se voit. Les rapports entre nous sont très amicaux. On a plein de choses à se dire encore. Et puis il y a des choses qu'on peut échanger qu'entre nous parce que. Qu'est-ce que vous pouvez échanger quand on vous parle ? Non, mais sur des choses. Il y a plein de choses qui sont pas abordées. Les gens se rendent pas compte. Ils disent. Les gens pensent que c'est pas vrai parce qu'on peut pas imaginer ce qui se passe là-bas, mais il y a aucun moyen d'hygiène, par exemple. Voilà, souvent les gens pensent pas, mais le truc tout bête. Alors on va pas parler des toilettes et du fait qu'il y a pas de papier toilette, mais rien quand on doit aller dans l'eau de mer pour se rincer un petit peu, on n'a pas de serviette. C'est-à-dire que peu importe le temps qu'il fait, qu'il y ait du vent, on ne s'est pas lavé depuis des jours. Et quand on va dans l'eau de mer, on ressort, le sel il reste collé sur la peau. C'est pour ça que là, on était heureux d'avoir de l'eau courante. Enfin, on avait de l'eau... De l'eau douce, voilà, qui était là grâce aux pluies. C'est de l'eau de pluie, hein. J'ai vu des remarques aussi sur Twitter de certains qui disaient « Ouais, mais moi j'ai déjà bu de l'eau d'une rivière, j'ai tout de suite eu la tourista, eux ils sont pas malades, je suis sûr qu'ils leur donnent des bouteilles d'eau Volvic à côté. » Mais non, c'est juste parce que là-bas il n'y a pas de pollution sur l'île, il y en a sur la plage comme vous avez pu le remarquer, mais sur l'île
il y a personne qui y vit, il n'y a pas de gros animaux, donc l'eau, elle est complètement pure, elle est filtrée en plus par les différents passages dans les roches. Et donc, non, on n'a pas été malade. Nous aussi, hein, on s'est posé la question au début, on s'est dit peut-être qu'il faudrait le feu pour la faire bouillir, mais il n'y avait pas besoin. Donc, entre Koh-Lanta et The Island, plus sympa The Island quand même. Oui, parce que c'est plus vrai. Par exemple, Koh-Lanta, ils ne choisissent pas l'île en fonction de ce qu'elle peut nous donner comme nourriture. C'est D'accord. pour ça qu'ils nous mettent du riz à côté et qu'ils nous donnent le feu au cas où on n'arrive pas à le faire. Alors que The Island, ils font en sorte qu'on ait une île qui est viable. Il faut juste trouver les ressources vitales. C'est intéressant au niveau de l'argent, parce que je suis assez étonné. 40 000 euros, alors c'est évidemment parce que vous êtes ça, une personnalité. C'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est sûr. 40 000 euros, Koh-Lanta, et 20 000 euros, The Island. Mais après, je pense que ça dépend aussi des notoriétés, oui, parce que quand sûr. On est juste candidat comme ça, pour nous, simple oui. badaud. Oui. Je sais pas combien. Il y a une émission que tu aimerais faire qu'on t'a pas encore proposée. Par exemple, je sais pas, n'importe laquelle, je réfléchis, mais. Un truc qu'on vous... n'arrête pas de me dire, on dit, mais t'as pas fait Danser avec les stars, toi? Oui, tu serais super bien sur Danser avec les stars. Tout à fait. Et bah écoute, moi j'aime beaucoup la danse, évidemment, donc pourquoi pas. Danser avec les stars, ça te plairait? Ouais, ça me plairait. Ouais. Oh, je verrais tout de suite. T'es pas compliqué sur les cachets, ce que j'ai vu entendre? Non, je suis pas compliqué, moi. Mais, la vie, elle doit pas être faite. Je fais pas les choses, par exemple, la musique, je fais pas ça pour non, tu pour, nous disais que t'avais tout fait tout seul. J'ai tout fait moi-même, c'est de l'investissement, c'est vraiment du partage. Moi, si je fais de la musique aujourd'hui, c'est pour faire de la scène, c'est pour retrouver le contact avec le public, c'est du don, c'est partagé, un peu comme je dis dans la chanson de The Island, le pied, pour nous tous ici, le pied, c'est de partager. Et voilà. Gwendal Pezera, Quand elle meurt, vous écouterez tout à l'heure un titre en live dans 5-6 minutes, mais juste avant, Silver a quelque chose dans son sac et on a décidé de faire une expérience ce soir sur Voltage. Alors on va essayer de vous retranscrire ça sur l'antenne. Il y a une séquence assez étonnante avec notamment Priscilla qui découvre une certaine boîte, une boîte à chats, et on s'est dit pourquoi pas tenter dans l'émission. Donc on a ramené deux boîtes, hein. Silver, oui. T'as été oui. faire les courses. Oui, tout à fait. Alors on a du César, les inspirations du jardin avec une putain de tête de chien, et une deuxième boîte, c'est du chien. Bah, hein. Oui. Donc voilà, on va tenter, on va ouvrir, on va goûter. Alors toi, t'en as mangé, ça avait quel goût? Alors nous, ça a quel goût? Ça a goût de viande avec. C'était assez. Comment dire bon, c'était. Un pâté bas de gamme, quoi. Un pâté bas de gamme, voilà. Bon. Silver, je pense qu'on va goûter et après, oui. on va expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? D'accord. Qui a envie de goûter? Jordan, honneur aux dames, quand même. Ah oui, honneur aux dames, bah oui. Attends. Tu fermes la bouche. Attends. Allez, ferme la bouche. Allez, en plus, il y a une petite sauce et dis donc, t'as de la chance, toi. Oh, quelle horreur. Ah non, je me goûterai pas. Tu veux pas goûter? Ah non. Rien que l'odeur, déjà, ça me. Toi, c'est Brahim. Bon, super, on goûte. C'est Brahim Trina. Donc on goûte le pâté pour chien en premier. On goûte le pâté pour chien. Si tu veux goûter, mais je pense que c'est bon pour toi. J'ai mangé juste avant, là, ça va pour moi. Bon, on va goûter, on va goûter. Vous êtes en survie. Silver, t'es en survie là. Alors c'est parti. Alors on va goûter du César. Voilà, on le fait bien face caméra. Les inspirations du jardin. Et le problème, c'est que normalement, on doit voir les ingrédients. Ah, bah oui. Si, c'est à l'arrière. Ah, il a pris 300 grammes, hein, Silver. Hein, Oui, alors c'est du. Oh, bah, je vous dirai après, si vous voulez. Alors, c'est parti. Allez, Oh, mais non. Alors. Oh, c'est pas mauvais. Oh non, tu vas pas en prendre quand même. Quand j'en goûte. Alors, ça fait dégueulasse. Je vais vomir. Ah, franchement. Je vous jure que c'est vrai. Ah, bah, ce n'est que du gras. Ce n'est que du gras. Ah ouais, non, c'était pas grave. Je sens que tu gras. Toi, Silver, t'aimes bien? Moi, j'aime bien. Ah non, mais il en rebranche. Oh, non. Mais Silver, lâche ça, t'es un malade, toi. T'aimes bien vraiment? Tu trouves ça bon? Ouais, c'est pas désagréable. Bah, attends, est-ce que tu peux goûter les goûts et les couleurs? Le pâté pour chat. Frida, alors c'est maintenant, bientôt je fini. Goûte le pâté pour chat. C'est pas vrai. Ça doit avoir moins de goût normalement. Alors, ne quitte pas. Là, il est parti pour les chats, un repas, en fait. C'est souvent l'odorat. Oh mon dieu, c'est une horreur. Franchement, puis j'ai une haleine maintenant. Allez, goûte mon Silver. Alors, c'est parti. J'espère qu'il risque pas grand chose. S'il meurt dans la nuit, on est dans la merde. Mais il risque rien. On les traite bien, nos animaux. Ils risquent rien. C'est comment, Silver, le pâté pour chat? Ouais, ça a bon goût. Non, mais j'hallucine le mec, c'est rose. Non, mais arrête. Mais lâche ça. Arrête, tu vas voir. Alors, attends, j'en prends juste un deuxième. Non, mais j'hallucine. Non, mais attends, mais c'est pas mauvais. Il est capable de finir la boîte. Je vous jure que c'est vrai. À la fin de l'émission, il va prendre la boîte, il va la finir. Alors, vas-y. C'est bon. Un dernier coup. Quel goût ça a? Décris-nous. Alors, le pâté pour chat, ça a un goût de poulet. Ouais, c'est pas mauvais.
Et donc Trina veut pas goûter la pâté pour chat non plus. Trina goûte le pâté pour chat. Il pue de la bouche d'ici. Insupportable. Et j'en ai encore rien. Mais quelle horreur. Mais c'est horrible. Je pensais que tu allais avoir un goût infect. Bon, alors, raconte-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Je rappelle que vous, vous l'avez fait, hein, Gwendal. Alors, toi, alors on était en mode survie, nous. Hein. on n'avait pas eu de protéines depuis un petit moment. Et ça fait du bien, c'était bon. Oui, on sent que le corps en a besoin. Après, il n'y en avait pas besoin de beaucoup. On n'en a pas mangé énormément non plus. Tu t'es pas senti bizarre après? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oh, c'est des idées qu'on se fait peut-être. Bah, pas plus bizarre que de manger des chapeaux chinois crus. Hein. Oui, c'est sûr. Ou des crabes crus aussi. Hein. J'ai mangé les crabes entiers, crabe, moi. C'est quand même meilleur que le pâté pour chat. Moi, ça passe pour moi. Ouais, non, je. Le crabe, c'est meilleur que le pâté pour chat. Oui, mais toi, tu le manges cuit et t'enlèves la coquille. Oui. Moi, je mangeais tout. Elle mange cuit chez Fauchon, elle met. Bon, allez, Sylvia, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes pour chat? Alors, à l'intérieur, de manière générale, parce que j'étais me renseigner bien sûr sur internet pour voir. Alors c'est souvent beaucoup de déchets en fait. Des déchets qui viennent des sociétés d'écarissage. Donc vous trouvez du cœur, vous trouvez des bouts de sabots, du foie, de la corne, des cartilages, des becs aussi. Non mais attends, t'as préparé ça avant de manger la pâte? Ah bah oui, oui. Des os, des ailes de poulet non cuit, broyées, de la farine de céréales. Et de la farine animale, en général. Alors, bien sûr, chaque marque a son ingrédient privilégié. Si je prends, par exemple, la boîte, on va en dire deux. Là, j'ai pris Sheba, mais ça aurait pu être Whiskas. Eh bien là, dedans, c'est plutôt du poulet, hein, de manière majoritaire du poulet. Et là, César, pour la marque César, alors on va citer Frolic à côté. Alors pour la marque César, c'est plutôt du veau avec de la terrine de veau avec de la carotte de manière générale. Mais il y a quand même ces petits ingrédients à côté, comme beaucoup de déchets, beaucoup d'abats qui viennent de choses d'écarissage et qui sont effectivement dont raffolent effectivement les animaux. Mmh. Bah oui, ils parce que ça. Voilà, comme ils disaient, comme je voyais sur internet, ils expliquaient que par exemple l'aile de poulet. Et ben quand le chat mangeait ça, ça lui rappelait des instincts qu'il avait pour chasser les petits oiseaux et tout ça machin entre guillemets. Sylvain, et du coup voilà. Je te la laisse cette boîte de 300 grammes. Ouais, c'est pas mauvais. César, oui, mais tu vas la bouffer, t'es capable de la manger? Je la mangerai pas en entier, bien sûr. Elle a cuisiné en ragoût ce soir. Mais en tout cas, je suis heureux de l'avoir goûté et les deux ont très bon goût. Merci Gwendal d'avoir été gentil comme ça avec nous ce soir, de t'être livré. Gwendal Pezzera. Quand elle meurt, et bien c'est parti, on se fait ce dernier titre en live, les amis, sur Voltage. Il prend sa guitare, c'est pareil, tout est vrai, comme dans The Island. Il y a une vraie guitare avec un vrai mec qui va jouer derrière. Et ce mec, c'est Gwendal Pezzera. Allez, on écoute quel titre du coup? On fait lequel? On fait Un monde sans homme, qui m'a été inspiré par des amis qui souhaitaient avoir un enfant. D'accord. Sauf qu'elles étaient. Elles étaient. D'accord, deux filles. Voilà. Et donc je me suis mis à la place de cet enfant potentiel né d'un couple un peu différent. Alors on écoute, c'est pas. En plus ça tombe bien parce que c'est la marche des fiertés bientôt. En plus, voilà, on est dans l'actualité. Ah oui, c'est vrai. Hommes débarrassés de testostérone, ensemble elles n'ont besoin de personne. Elles s'aiment, pourquoi ça vous étonne? Et ils disent oh là 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 là, oh là là là, ces filles sont folles. Elles ont rêvé un monde sans hommes, sans misandrie, sans haine, elles raisonnent. Elles réussissent, leur vie ça cartonne. Et par amour, l'une dit à
l'autre si un bébé je te donne. Ils leur disent oh là 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 là, oh là là là, mais vous êtes folle. Ils leur disent oh là 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 là, oh là là là, mais vous êtes folle. Elles ont rêvé un monde sans hommes. C'était compté un peu sans ma pomme. Elle me regarde, d'amour elle frissonne. Mes deux mamans ont fait un petit bonhomme. Et elles disent ça n'existe pas, un monde sans hommes. Et même si le nom de mon père, c'est personne. Et tous ces débats, vraiment je m'en tamponne. Moi je suis plein d'amour que chaque jour elle me donne. Et je me dis oh là 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 là. Oh là là, c'est beau être un homme. Et je me dis oh là 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 là, oh là là, c'est beau d'être un homme. Oh là 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 là, oh là là, c'est beau d'être un homme. Gwendal Pézera sur le coup. Passez une belle soirée les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec un nouvel, des nouveaux invités. Passez une belle soirée avec nous. N'oubliez pas que Voltage et les hits d'hier et d'aujourd'hui, vous y trouverez forcément ce que vous aimez et pas des boîtes à chats comme ce qu'il a mangé Sylvain. Il a fini la boîte hein, pendant que Gwendal chantait. Merci beaucoup. C'est une belle merci. Chanson. C'est merci. Très joli. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer l'album Gwendal Pézera quand elle meurt avec 6 titres exclusifs. www.gwendalpezera.com pour l'avoir le collector et sinon sur toutes les plateformes de téléchargement, mais aussi en téléchargement sur mon site. Donc allez sur le site, comme ça vous pourrez choisir gwendalpezera.com. Et il dédicace les 100 premiers. On se retrouve dans un instant sur le Facebook Volta cette fois-ci pour terminer avec un portrait de Gwendal. C'est Trina qui va le faire. Et moi, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci à Yannick hein, qui a pris deux secondes la réa, qui sera demain soir avec nous hein, toute la soirée. Ouais, gros bisous à tous. N'oubliez pas Esther et Jérôme à partir de 6h demain matin. Bonne nuit, ciao. Merci. Passez une bonne soirée Jordan et toute l'équipe. On vous retrouve dès demain 21h ici même sur Voltage. D'ici là, c'est mon coup de cœur du moment, Matt Simons, à écouter après Arena Grande. Dal, avant qu'il nous quitte, avant qu'il rentre chez lui. Est-ce oui. qu'il faut que je tremble? Tu me diras après. Non, moi je suis ravie d'avoir avec nous ici l'un des 9 sportifs qui a fait partie du conseil administratif pour défendre la candidature de ma ville Annecy aux Jeux Olympiques de 2018. Gwendal qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas arrivé dans le studio en triple loose piqué. Hein. Non, mais on ne saute pas en danse. Voilà. J'ai envie de l'appeler double Gwendal. C'est vrai, après tout, on dit bien double Axel, alors pourquoi pas double Gwendal. C'est un pro du patin. Comme tous les hommes présents autour de la table, il est aussi amateur de pirouettes. Sauf que lui, il l'est fait plutôt avec Marina Anissina. Ses performances sont d'ailleurs récompensées, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, 6 fois champion de France, 2 titres de champion d'Europe, 1 titre de champion du monde, 2 sacres olympiques en danse sur glace. C'est un athlète de haut niveau qui est aussi chanteur avec un physique à mi-chemin entre Sting et Julien Doré. Ah, je préfère ces comparaisons-là. Mais je vais y venir, certains trouvent qu'il a une ressemblance avec un ancien président de la République. La preuve, il existe un groupe Facebook
appelé pour que Sarkozy reconnaisse la paternité de Gwendal Pedrosa. Mais non. Et après avoir participé à Koh-Lanta, le choc des héros, et à Ice Show, s'est habitué au sport individuel, s'est montré collectif dans The Island Célébrité, tourné sur une île très pommatoire, comme il l'a dit. Absolument. Lui-même. Et c'est dans le dictionnaire. Voilà, une aventure pendant laquelle il a dû faire face, donc on l'a dit, à un caïman. Mais il a su garder son sang-froid, lui qui est pourtant habitué à pratiquer le flip. L'aventure The Island lui a fait perdre 5 kilos. Dorénavant, Gwendal pèsera donc moins lourd. Ah, ça c'est bon. Et comme on le disait on l'a pas senti venir. Et comme on le disait tout à l'heure, Gwendal est aussi donc chanteur. On l'a vu, son nouvel album s'intitule Quand elle me. Alors à vous d'imaginer la suite. Hein. Quand elle me saoule, quand elle me prend dans ses bras, quand elle me suce sur des mots doux à l'oreille. Ah, c'est bon ça, quand elle suce sur des mots doux à l'oreille. C'est quoi bon. Qu'il en soit, cet album est une belle surprise. Alors Gwendal va-t-il continuer à la télé dans les jeux d'aventure ou continuer uniquement la musique? Eh bien, seul l'avenir nous le dira, ce qui pèsera dans la balance. Merci. Merci. Trina, on va se quitter les amis. Voici, c'était le portrait de Gwendal Pedrosa. Je vous rappelle que l'album s'appelle Quand elle me, et puis aussi qu'il aimerait bien faire Danse avec les stars, s'il nous écoute. Ouais. L'appel est lancé. C'est des fois repris, hein, souvent, cette émission à droite à gauche. Ouais. Alors, peut-être que ça se fera. Hein, je te le souhaite en tout cas. Je serais ravi de te voir. Avec Jean-Marc généreux, dire j'achète. Ouais. Allez, bonne nuit à tous. Merci d'être venu. Merci de ta gentillesse. C'était un vrai plaisir de t'avoir ce soir. De même. Merci à tous. Bonne nuit à tous, les chéris. Ciao. Salut. Things we shouldn't say, forgive and forget, for we gonna bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then not then walk away, but that isn't me. I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs but heartbreak.